C'est ta vie privée. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu sois prête pour demain. Aujourd'hui, je veux que tous, vous soyez focus sur cette finale. Et que vous ne pensiez qu'à ça, et à rien d'autre. Attention. Attends, parler de tes amis en parabole, là. C'est pas gentil, beau. Moi, t'as déjà dit que je suis pas venu ici pour plaire à quelqu'un. Et ça, là, vous avez déjà dit ça depuis le début qu'on est entré ici. Et puis, ça fait quoi, même si la vérité est dite dessus, ça fait quoi? Fashion, tu as débauché Adams, mon pote, mon frère, mon ami, pour le retourner contre moi. Je sais que Adams est impliqué dans cette histoire de drogue-là. Tu savais que Saxo partait hier? Non. Oh! Pourquoi l'ami lui fait ça? Il est mauvais, hein? Arrête, les choses anciennes sont passées. Je regrette. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai agi comme ça. Ça devait arriver. Oui, mais tu ne méritais pas que je te fasse ça. Tu es sûr que tu me pardonnes? Si je te le dis. Tu es une ange. Franchement, je ne te mérite pas. Mais on doit tout faire pour être là l'un pour l'autre. Non, non. À Dieu de le décider. Oui, mais si on le veut, Dieu le voudra aussi. Fashion, tu es sûr que tu m'as dit tout ce que je dois savoir nous concernant tous deux? Tu me soupçonnes de quoi encore? De rien, mais je veux juste que tout soit dit entre nous. Je te jure que je t'ai tout dit. J'ai manigancé avec Adams pour te faire ce coup parce que tu m'avais quitté. Et je sortais vraiment avec le mari de cette dame. Mais encore une fois, je te demande pardon. C'est pour ça que j'ai décidé de tout vous avouer. Chers amis, chers fans, je souffre depuis quelques années d'une triste maladie. La kleptomanie. Putain, il m'a tué. Il m'a tué. Rastagueux, c'est un taré. Un con, un inconscient. Est-ce qu'il a pensé à moi? Est-ce qu'il a pensé à nous tourner? Allô? C'est quoi cette vidéo à la con que tu viens de poster? Pourquoi tu dis vidéo à la con? Dis-moi donc ce que c'est. Ce n'est pas une vidéo à la con. J'avais besoin de me libérer. Dire aux gens qui je suis, qu'on me prenne avec mes défauts et qu'on m'aide à me sortir. Regardez-lui là. Et tu penses que c'est tout on dit? Et pourquoi pas? Ne m'interromps pas. J'aurais pu te balancer quand tu me foutais la roue, mais je ne l'ai pas fait. Et jamais je l'aurais fait. C'était que des menaces. C'est notre secret. Si tu n'étais pas tombé bêtement amoureux d'Aïcha au point de vouloir lui offrir une robe, personne ne l'aurait su. En tout cas, je suis libéré. Je suis... Ferme-la! Tu as pensé à Mademoiselle Moutarde? La pauvre dame. Tu sais dans quel état elle peut se trouver actuellement? Qu'elle me prenne telle que je suis. Ouais, c'est ça. Qu'elle te prenne telle que tu es. Tu ramènes toujours à ta petite personne. Toi, moi je te parle du groupe. Je te parle de nos tournées. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et il persiste. Tu es sérieux? Même au niveau de ton concours, sache que tu viens de te brûler les ailes. Oh, arrête ça, Rastigueux. Tu vois bien que je suis concentré sur un beat et je veux me distraire. C'est pas race. Hein? Hé, quel bonheur. Ouais, Saxo est parti vraiment. On dit quoi? Ouais, ça va. Dis, tu peux me montrer comment tu crées tes sons? Mais avant ça, tu as écouté ce que Rastigo a dit au confessionnal? C'est un grand garçon, il sait ce qu'il fait. Il s'est mis dans la rouille, hein. C'est nous seulement, on savait ça. Est-ce qu'il était obligé d'aller dire ça à toute la nation?
Rocher, laisse-le, c'est sa vie. Je vais montrer comment tu crates tes sous. Aïe, aïe. Amélie, t'es bénie. T'as vu, c'était pas compliqué. Bref, faut me montrer, tu parles trop. Ne décroche pas, s'il te plaît. Lynn. Allô? Ça y est, je suis dans ma chambre. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ça va, à part que tu me manques. Ça va là-bas? Ta mère, ta sœur? Oui, elles vont bien. Ok. Dis, pour ton inscription, t'as commencé tes courses? Je m'y mets dès demain, promis. Ok. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai envie de te voir. Il va rester un match face sans moment. Au contraire, Saxon. Moi, je suis contente qu'il nous a interrompus. À moi, bien sûr, que tu as voulu forcément que ça se fasse là pour pouvoir m'oublier pour de bon. Mais non, pas du tout. Moi, ouais, je préfère ça. De toutes les façons, on aura tout le temps quand tu reviendras. Je reviendrai. Et même bien plus tôt que tu le penses. Ok. Dans mes nuits, je ne pense qu'à toi. Et je sais, on dit que garçon m'en faut. Et je repense à ton beau teint ébène. Jolie femme black comme toi, c'est ça qu'on aime. Tu m'as touché, blessé, piqué, baby. Penser à toi raccourcit mes nuits, baby. Yorasi, mais Joe, tu as fait quoi là? Aïe, je ne peux pas te livrer publiquement comme ça. Je parle de ma confession, là. Mais oui. Hé, mon gars, ne joue pas avec le feu. Hein. Tu comprends? Demain, tu vas faire une vidéo pour dire à tout le monde que c'était pour le buzz. Sinon, c'est pas bon, hein. Mais c'était pas pour le buzz, vous. Mais oui, je sais ça. Mais attends, excepté nous et puis ta chérie, là, qui d'autre savait ça? Oui, mais je n'ai pas fait de contre-déclaration, bro. Et puis, je pense qu'il est temps que ce soit mes amis, mes fans, tous ceux qui me soutiennent m'acceptent tel que je suis, bro. Bon, maintenant, ça va t'apporter quoi? Hein? Ça va t'apporter quoi? Mais la paix du cœur, bro. Non. Tu veux faire comme Monsieur Gospel, c'est ça, non? Oui. C'est ça. Ils vendent de la drogue, on l'arrête, l'une passe au confessionnal, les gens descendent dans les rues pour marcher et ça augmente sa cote de popularité. C'est ce que tu veux faire aussi? Champion, ici, là, on est en Afrique, hein. On peut pardonner un vendeur de drogue, mais pas un voleur, qui va te pardonner? T'as vu, tu me prends pour un voleur. Bro, la kleptomanie, là, ce sont des pulsions difficiles à maîtriser. Et c'est bon, hein? Faut continuer à faire ce que tu veux. Mais en tout cas, faudrait pas qu'on nous mette dans le même sac. Et d'averti. Ouais, rassure. T'as loqué. J'avais balancé la bombe à quelques jours de la finale pour t'éclabousser. Rastigue le kleptomane, la main de Dieu. Ouais, plus à toi. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Oh. Allô, chérie. Hé, hey, allô, comment tu vas? Ça va. On dit quoi? Ouais, ça va. Je vais avoir juste tes nouvelles, c'est, voilà, c'est tout. Oh, tu sais, il y a eu plus de peur que de mal.
Wilson dit que c'est ma vie privée et que ça ne l'intéresse pas. Ah, mais c'est super! Ce monsieur-là a un grand esprit. Il a raison! Mais tout ça, ce sont des gamineries. Cette dame a même déjà avoir honte. Elle est vraiment tombée très bas. Franchement, elle peut tomber où elle veut. Bah, écoute, dis-moi, tout y est là. Excuse-moi, je sais que tu n'aimes pas que je parle de lui. Mais je voulais avoir un peu son état d'esprit. Parce que depuis un moment, je l'appelle. Il ne décroche pas. C'est après qu'il me laisse des petits messages. Il va bien. Tant mieux. Et si quoi que bientôt il sera un grand, la raison pour laquelle il coupe avec moi, ben, c'est pas grave. Voilà, j'ai aussi une chose à te demander. Dans vos échanges, tu lui as dit que tu sortais avec moi? Il t'a dit quoi, lui? Oh, c'est ce que je n'aime pas chez vous, là. On vous pose une question, vous répondez par une autre. Ben écoute, à la vérité, quand tu as eu ton souci avec Fat, et que je t'appelais, tu ne décrochais pas, sachant que le moral était bas, je lui ai demandé de te suivre de près pour pas que tu fasses des bêtises. Du coup, je t'ai obligé de lui dire que... On est ensemble. Passe. Mais qu'est-ce que je t'ai dit concernant la discrétion autour de notre relation? Ouais, il t'en a parlé. Allô? Toi, passe. Si ce n'était pas que tu m'aidais avec le problème de Fat, il y a longtemps j'avais mis fin à notre relation. C'est quoi ces hommes qui parlent beaucoup comme ça, là? Oh. Retiens-moi avant qu'un autre ne me vole à toi. Ne laisse pas mon cœur oublié et ton corps. Retiens-moi avant que je ne l'aime. Retiens-moi avant qu'il soit trop tard. Ah oui. Pourquoi cette chanson à nuit là? Dis-nous, chouchou, qui doit te retenir? Mon cher, tu vois, quand on est ado, on a les flirts, puis ça. Donc, il y a des chansons comme ça qui s'imposent à notre esprit. Biggie. Et c'est cette nuit que tu as décidé de chanter ça pour nous? Je dis, il y a quoi? Juste à contaminer. Mais dis, hein. Bon, les gars, moi j'ai une de mes compositions à vous faire écouter. Et j'aimerais que vous m'accompagniez. C'est simple, hein? Vous faites après moi. Simplement. Ok. Donc on y va? Sa beauté est immense. Jésus revient bientôt. Son amour est immense. Jésus revient bientôt. Les amis, être un artiste et être un buzzman ou encore buzzer, ça fait deux. Est-ce que vous comprenez? En Côte d'Ivoire, quand on découvre quelque chose, on va en abuser, exagérer jusqu'à... Mais non, faut que ça s'arrête. Faut qu'on arrête un peu. Le buzz, là, ce n'est pas un métier. Nous sommes des créateurs. Et un artiste, c'est sa création. Son texte, son beat, sa musique, son charisme. C'est ça, un artiste. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent d'être en contact permanent avec nos fans ou encore de faire notre promotion. C'est tout. Moi, je suis un artiste et je ne compte pas passer par les buzz pour devenir grand ou encore pour remporter ce concours. Bob Marley n'a pas fait de buzz. Michael Jackson n'a pas fait de buzz. Hein? Mais ici, tout est buzz. Buzz. Les gars, travaillons. C'est de ça qu'il s'agit. Travaillons. Que ceux qui ont un cerveau pour comprendre, comprennent. Que ceux qui n'ont pas compris aussi demandent. On va leur expliquer. Ce qui est sûr, la Jessin a parlé. Les Jessalois, continuez de voter, continuez de faire monter les chiffres. Voilà, continuez de faire monter les chiffres en ensemble. Ah ouais. Maintenant, je fais un rakatakunta. Kish. Katakunta. Kish. Rakatakunta. Kish.
Kata kunta kisistis. En ragata kunta kisistis. Kata kunta kisistis. Ragata kunta kisistis. Kata kunta kisistis. Mama go bouger, mama go danser, kota la go bouger. Mama go danser, ta la go bouger. Mama go danser, kota la go. Siandomolo a bouger, yé. Ta la go brogata bouger, yé. Siandomolo a danser, yé. Ta la go brogata bouger, yé. Siandomolo a bouger, yé. Ta la go. J'ai tout pensé de ce mec, mais je n'ai pas pensé qu'il était aussi cancre. Tu plaisantes ou quoi? Je te jure, avoue aux yeux de tout ce qu'il est kleptomane comme si c'était une bonne chose. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Aïcha, Rastiger vient de nous montrer qu'il est fort et courageux. C'est vraiment un tigre. Tu es une comédienne d'un? Non, combien d'hommes sont capables de faire ça? Il vient de nous montrer encore qu'il est honnête, qu'il est capable de faire quelque chose de mauvais et il est prêt à changer. Tu as trouvé la pelle rare. Peggy, prends-le. Je ne plaisante pas, sister. Je ne dis pas le contraire. D'accord. Continue à te comporter comme une sainte nitouche. Jusqu'à là, moi, je t'ai toujours dit ce que je pense. Je n'ai pas essayé de te faire changer d'avis. Mais là, sister, tu fais fausse route. Car je ne reviendrai pas avec Rastiger. Ok, bien noté. Tu sais, il y a un dicton qui dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je toussais. Voici mes mains, j'ai levé. Boss, lors du concert privé, j'ai déjà eu à interpréter ma première chanson gospel. Et ta chanson de sélection, c'était de l'afropop, c'est ça? Oui, c'est cela. Mais écoute, tu ne peux pas avoir chanté du gospel et revenir à l'afropop. Et de plus, on ne t'a pas présenté comme étant un chanteur de variété. Oui, c'est pour ça que je pose le problème. Ben écoute, tu vas continuer dans le gospel. Tu le sens? Ouais. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Oui. Dana, il est à toi. On y va? La gloire de notre Seigneur, Jésus. Il est descendu pour un tout petit péché. Et il est crucifié à la fois par amour pour nous. Il a peiné de prix pour que nous. Voilà. Mais Armstrong a l'air d'apprécier. Hein. Dana? J'aime beaucoup. On va bosser là-dessus. D'accord. Ben c'est parfait, je vous laisse parler aux anges alors. D'accord. Bonjour, boss. Bonjour. Boss, je voulais vous parler de la vidéo de Rasti. Bien, c'est tout. Boss, ça n'honore pas le laboratoire. Ça ternit votre image. Hein? Faudrait que vous réagissiez énergiquement. Tout le monde est sur le choc. Qui? Les autres camarades. Mais c'est du passé, ça. Quoi? Boss, il a volé la robe de fashion et on l'a su le jour de la prestation pour le voting. Sa copine a porté ça. Mais fashion a reconnu sa robe. Oui, mais elle ne voulait pas vous informer, vous n'avez pas que vous le renvoyer. C'est une fille bien. C'est sympa de savoir. C'est vrai que la situation est dérangeante. Mais il a besoin de l'aide de tout le monde. Il aurait très bien pu ne pas en parler et continuer. Il a la volonté de se débarrasser de ce trouble psychique. Et nous devons tous l'aider. En tout cas, moi je te dis ça pour ne pas qu'après vous nous fassiez des reproches du genre, il y a des trucs qui se passent ici et on s'était là-dessus.
Je veux pas être solidaire des mauvais actes, boss. Voici mes mains. Guess. C'était toi l'instigateur de l'excursion en forêt, n'est-ce pas? Mais boss, c'est pas la même chose. Et tout le monde avait cherché à te couvrir, n'est-ce pas? Ça n'a pas empêché que je le sache. Jess. Wilson dort les yeux grands ouverts. Et les oreilles toujours dressées. Va travailler. Bon, vous n'allez rien faire. Va travailler. N'en est pas question. S'il te plaît. Anna est une folle hystérique, tu le sais bien. Ah bon? Donc tu sais qu'elle est folle et puis depuis tu ne la fais pas soigner. Ou bien tu attends qu'elle tue quelqu'un avant d'être conscient qu'elle est dangereuse. Mais je ne lui ai fait aucun cadeau sur ce coup, bébé. En tout cas, pour revenir avec toi, va falloir que tu me dédommages. Attends, tu rigoles? Pas du tout. Si tu veux aussi, on peut laisser tomber. J'ai été humiliée, mon honneur a été bafoué. Est-ce que tu sais que j'ai perdu des fans? Je te demande pas. Je pouvais être exclue de la compétition, hein. Sur ce coup-là, tu as entièrement raison. Ok. Donc fais-moi un virement de 3 millions sur mon compte. Mais d'où veux-tu que je sorte cet argent? Bertin, c'est le minimum que je puisse te demander. Quant à Anna, là, j'exige qu'elle me fasse des excuses publiques. Et puis pendant qu'elle est en train de parler là, qu'elle pleure. Comme ça, ça sera match nul. Tu sais qu'elle ne le fera pas. Écoute, c'est par respect que j'ai pris ton appel. Donc tu vois tout ça et tu me rappelles. Écoute. Moi, je loue ton courage. Mais je te conseille de te faire aider par un psy. C'est compris, boss. Il faut que tu te débarrasses de ces démons et que tu prennes ta carrière au sérieux. Tu sais, on n'a pas tous la même mentalité et le même niveau de compréhension. J'ai vu ta vidéo, mais je préfère ne pas en parler. Boss, je prends l'engagement devant vous de tout faire pour me débarrasser de ces démons. Je serai très heureux quand tu te seras débarrassé de ces démons. Tu peux remercier aussi tes amis, tes camarades, qui ont su garder ton secret. Parce que d'autres l'auraient utilisé contre toi. Allez, va bosser. Merci, boss. Tu fais quoi ici? C'est le coin de Rusty? Je squatte. Ok. Ça s'est bien passé la répétition? Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air pensif, là. Dis-moi. Tu connais Bass? Bass? C'est le patron d'une amie qui travaille dans un cabaret que je fréquente de temps en temps. Tu parles de Fat. Tu la connais? Je connais très bien Fat. Et Bass également. C'est un pote. Il m'a beaucoup aidé et soutenu. Ah bon? C'est quoi le lien entre Bass et toi? Rien de particulier. Il me connaît, il sait que je suis l'amie à Fat, c'est tout. Mais quoi encore? En fait, hier quand je t'ai demandé si tu m'avais tout dit, je m'attendais à ce que tu m'avoues que tu sors avec Bass. Mais tu n'as rien dit. J'ai attendu jusqu'à ce matin et tu n'as toujours rien dit. C'est lui qui t'a dit qu'il sort avec moi. Fashion, tu sais tout ce qui se passe au Capar. J'ai chanté là-bas très souvent. Tutti, tu es en train de me torturer là et je n'aime pas ça. Je ne te torture pas. Le problème, c'est que
tu continues à me mentir. Mais je t'ai tout dit hier. Je pensais qu'on était reparti sur de nouvelles bases. Mais là, je ne vois pas où tu veux en venir. Hein. Je t'ai toujours dit que une relation ne se construit pas sur du mensonge. Mais... Attends, est-ce que je t'aime aussi, moi? Ou bien tu veux que je raconte du n'importe quoi sur ma vie? Tu veux dire que tu sors pas avec Basse? Tu as la preuve de ce que tu racontes. Oh, Fashion, arrête! Arrête! Ok? C'est toi qui es venu me raconter que tu sortais pas avec le vieux qu'on a trouvé chez toi. Tu es finalement venu me dire que tu sortais avec lui. Qui sait si ça continue pas? Hein? Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Tu trouves normal de sortir avec mon pote et sortir avec moi en même temps? C'est normal pour toi, ça? Bon, j'en ai marre, là. Fais ce que tu veux. C'est ça, va-t'en.